Salut à toutes et à tous, les amis, ici Crème. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour la présentation d'un pack de textures. C'est beau. On se retrouve. Ouais, c'est ce que je viens de dire. On se retrouve pour une vidéo pack de textures. T'es con ? Ok. On se retrouve. Bref. Je suis très bien, hein. Crazy, tu vois, c'est mon pseudo. Crazy, ça veut dire fou. Pas du tout. Ça veut dire zen. Très bien dans la tête. Du coup, pack de texture, voilà. Nommé Vaporwave. Attendez. C'est où? Global ressources. Voilà. Vaporwave 128 fois. Ricardo. Erico. I'm Az. Ok. Bref, je me gratte les selles et alors. C'est un petit pack de texture, ma foi, très sympatoche. Un petit pack au PVP. J'aime bien ça là. Ça là, le fond là. Ça, à chaque fois, je le vois ce fond là. Magnifique, respect. Du coup, petit pack PVP, ma foi, sympatoche. Et du coup, c'est parti pour découvrir ceci. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à bombarder cette barre de pouce bleu, à vous abonner. C'est pas déjà fait, écoutez, c'est parti. Alors, du coup, on se retrouve sur une petite map que j'ai moi-même construite. Bien évidemment, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée comme vous le voyez. Voilà, donc petit chemin de fer sympatoche. Bon, la montagne, c'est pas mon fort, mais voilà. Bref, et la partie nether, bref. Du coup, bon, faites pas attention au fond vert, c'est. Ouais. Alors, du coup, on va commencer ici. Alors, attendez. Hop, non. Voilà, magnifique. On va commencer du coup par les armures. On a du coup la petite armure en cuir. Armure en cuir, voilà, avec la petite épée en bois, très très sympathique, effectivement. On a l'armure, enfin la côte de maille plus précisément, enfin la côte de maille tout court, voilà, c'est une côte de maille, c'est pas une armure. Tout simplement avec la petite épée en pierre, voilà, ensuite on a l'épée fer, voilà, et l'armure en fer. Ensuite on a l'armure en or et l'armure en et l'épée, pardon, oh, je ne sais plus parler, c'est incroyable. Et l'épée en fer. L'épée en or. Et on a du coup l'épée. Putain, c'est pas une épée ça. Ça, c'est une épée. Vois-tu ? L'épée diamant et l'armure en diamant qui, ma foi, est très très sympathique. Très très sympathique. Alors, attendez, je veux pick up ça en fait. D'accord, je peux pas. Bref, du coup, on va passer dans ce petit tunnel, ma foi, sympathique. Et on va commencer là-bas. Du coup, ici, bref. Nous avons l'arc qu'on va prendre, voilà. Arc très très sympa. J'aime bien l'aspect noir. Enfin, j'aime bien quand l'arc est en noir. Avec le petit dégradé, comme nous pouvons le voir juste ici. Nous avons la canne à pêche également. Ça, c'est l'underpearl. Voilà, donc on va se TP pour tester. Voilà, donc comme vous le voyez, les petites particules, très très sympathiques. Et on a du coup le totem d'immortalité, malheureusement, qui n'a pas été changé. Ici, nous avons les petites les élytras. Alors, vous n'avez strictement rien vu. Alors, non, allez, pose-moi ça. Voilà, merci. Alors, voilà, les petites élytras. On a du coup la petite canne à pêche avec une carotte dessus. Alors comment ça s'appelle ça? Carrot and on the stick. Voilà, carotte sur un bâton. Voilà, très sympathique. Oui, j'ai mon jeu en anglais, c'est plus simple. C'est mieux. On a le petit flint and steel, pardon. Voilà, voilà. Petit briquet du faithful. Donc ainsi que ça, ça malheureusement ça n'a pas été changé. Je l'ai dit, je ne sais même plus. Yes. Et du coup ici nous avons du... Putain, c'est incroyable. C'est incroyable, mais comment je fais pour faire des conneries pareilles? Et du coup, ici, nous avons la petite water bottle. Voilà, voilà, ne faites pas attention au gâteau. Hein, voilà. Ici, nous avons du coup les armures en fer, armure en or. Alors d'ailleurs, je viens de remarquer un truc. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression que le truc, enfin l'armure en fait, n'est pas jaune, elle est plutôt en vert. J'ai l'impression, hein, je suis pas sûr, mais... Non, je suis pas sûr, je suis pas fou quand même, c'est vert ça. Ça, tu vois là, où il y a mon curseur là, ça c'est vert, je suis d'accord.
enfin vert marron, je sais pas. Vert, ouais. On est tous d'accord, c'est noir. Mais ça c'est vert pomme, ça, frère. Ça, c'est sûr que c'est vert pomme. Et ça, c'est vert. Vu de loin, pardon, peut-être on dirait du jaune. Mais si on se rapproche bien, on dirait vraiment du vert. Enfin, c'est du vert, quoi. Ici, du coup, nous avons la petite, pardon, armure en diamant. Ma foi, très très sympathique. Voilà, avec le petit dégradé bien bien sympa qui part du violet, qui part, qui va du et qui continue sur le bleu et qui se termine sur du vert. Alors, je sais pas si on voit un peu le vert, mais voilà, en gros, ça fait ça. Voilà, en gros. Donc un peu, tu vois, comme l'underpearl, en gros. Donc là, le violet là. Ensuite, ça continue un petit peu sur du bleu, ça se termine un petit peu par du vert. On voit pas trop, mais ouais. Ensuite, on va se retourner 90 degrés et on aura du coup, et on peut voir, pardon, la bouffe. Du coup, alors je suis un peu bas, voilà, magnifique. Du coup, on peut voir la bouffe juste ici. Du coup, on a le cooked chicken. Ici, nous avons le cooked pork chop. Je vais vous dire les noms en français. Donc, le poulet cuit, le porc cru, cuit, pardon, le bœuf cuit. Alors, malheureusement, comme vous le voyez, effectivement, il y a ces traits chelous là. C'est, je sais pas si c'est un bug ou quoi que ce soit, c'est un petit bug de texture. Et on peut le voir également que tout simplement. Non, non, c'est là. Que tout simplement, c'est entouré en noir et c'est pas très très beau, effectivement. Voilà, bon, après, sinon, ça reste beau. Et c'est un peu un aspect, tu vois, de. De BD Craft, j'ai l'impression. Mais bon, après, je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu ce steak, enfin, le style, le même steak sur un autre pack de textures? Dites-le-moi en commentaire, je suis très très curieux. Ensuite, ici, nous avons du coup le mouton cuit. Nous avons le lapin cuit. La morue crue qui n'a pas été changée, mais oui. Ici, le saumon cuit, le pimpin, le petit pain, la soupe de champignons, la patate cuite, enfin la pomme de terre aussi, la même chose, le cookie. Putain, mais mec, j'appuie pas sur clic gauche! Quoi? Pardon. Et ici, comment ça s'appelle ça? Le pumpkin pie. Exactement, la tarte à la citrouille. Voilà. Ici, on a du coup les petits outils, pardon, donc outils en fer, outils en or, outils en diamant. Du coup, on va regarder ceux en or. Voilà, putain, je sais plus parler, c'est incroyable. En même temps, il fait chaud, donc voilà. Voilà, donc ça, j'aime bien. Ça me fait penser un petit peu à un petit rubis ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très très beau. On a la petite pioche, voilà. Donc je pense que les personnes, ils ont repris le faceful. Ils ont juste modifié en gros le pack. Mais sinon, ça reste très très beau pour un pack PVP. Ici, on a la hache et la houe. Voilà, donc la pelle, on s'en fout totalement. On s'en branle. Désolé pour le vocabulaire. Ici, du coup, on a le cuir, le lingot d'or, le lingot lingot de fer, le diamant. L'émeraude, la redstone. Alors, par contre, je ne sais pas si la redstone a été modifiée. Non, elle n'a malheureusement pas été modifiée. Bon, en même temps, c'est pas très grave hein, dans un pack PVP. Je vais vous dire, ça sert à quoi de changer la redstone, c'est inutile. Ici, on a du coup le quartz. Ici, on a l'iron nugget, donc la pépite de fer, la pépite d'or, la snowball. Voilà, qu'on peut balancer effectivement. Alors, ça, je vais me débarrasser de ça. On a le water bucket et la lava bucket. Donc je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Voilà, donc on va se mettre là. Voilà, donc très clair, effectivement. On peut se le dire. Voilà. Et la lava bucket. Alors, le lava bucket, on va la faire là-bas. Non, quoi qu'on. Non, si on va la faire là-bas. Donc je vais vous montrer vite fait. Hop là. Voilà. Alors attendez, je recommence. Non, voilà. Ça ressemble à ça en gros. Et ma foi très sympathique. Alors non non voilà c'est bon, j'ai réussi. Voilà, hop, voilà. Alors je crois que j'ai fait le tour exact.
Donc maintenant, on va tester, enfin, on va bander l'arc, voir s'il est beau, attention. Oh, c'est beau ça. Oh, j'aime bien. Oh, avec les petites particules et tout là. Oh, c'est très très sympa. Oh, c'est magnifique. Alors pourquoi, je sais pas. Dès que je tire, je vais à droite comme ça, mais bon. Ça m'aide à viser. Hop là. C'est très très beau. Je sais pas, mais quand ça bande l'arc, tu vois, ça me satisfait, je sais pas. Alors, bien sûr, pour ceux qui pensent à des trucs chelous, vous êtes cons, voilà. Juste parce que j'ai dit que j'aime bien quand l'arc est bandé. Je dis ça, mais moi-même, j'ai un esprit un peu, tu vois, un peu, hein. Voilà, je vous laisse deviner la suite. Bref, quoi qu'il en soit, écoutez, les amis, dans tous les cas, on va s'arrêter là. Putain, il fait vraiment chaud, c'est incroyable. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien, écoutez, les amis, voilà. Donc, pouce bleu, c'est la deuxième fois que je le dis, mais ça m'aiderait énormément. Ça, voilà quoi. C'est pas que pour moi. Enfin, c'est pas pour moi en gros, c'est juste pour soutenir la chaîne et pour que la chaîne ait un meilleur référencement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Objectif, voilà. Car je donne maintenant des objectifs d'abonnés. Yes! Objectif 100 abonnés. Alors, gros objectif que je pense sera impossible. Atteindre les 100 abonnés avant la fin du mois. Pardon, désolé si vous m'entendez avaler, mais bon. Bref, voilà, effectivement, c'est un gros objectif, sachant que moi, je suis, pardon, youtubeur débutant. Voilà, donc ça me ferait extrêmement plaisir d'atteindre au moins la barre des 100 abonnés. Parce que ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, j'ai même pas dépassé ces foutus 100 abonnés. Donc abonnez-vous, c'est très 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 important. Bref, écoutez, les amis. Attends, est-ce que j'avais quelque chose d'autre à dire? Oui, j'avais quelque chose d'autre à dire. Tous les mercredis, voilà, en fait je viens d'y penser, enfin, quand je vous faisais la présentation du pack. Je vous mettrai le pack en description, voilà, donc Mediafire, bien évidemment. Donc je ne sais pas si c'est un pack où vous pouvez jouer sur MCPC, Minecraft PC, tester, voilà. Donc en tout cas, ça c'est un pack PE ou Windows 10 édition, mais voilà. Pardon, excusez-moi. Et du coup, voilà. Et j'avais autre chose à dire. Qu'est-ce que j'avais à dire? Yes, je ne m'en souviens plus. C'est beau. Attendez, faut que je m'en souvienne. Ah oui, donc je me rappelle, voilà, ça m'a pris 5 minutes, tu sais. Donc tous les mercredis, je vais tout simplement vous présenter un petit pack de thé. En tout cas, j'espère que ce nouveau concept sur la chaîne va vous plaire. Donc dans tous les cas, les amis, écoutez, moi je vous dis, c'était Crazy. Ciao tout le monde.